Monsieur, dame, salut. Moi, c'est Jean-Philippe Cap. Salut nous depuis Studio 4 d'Avant d'Amérique, là, dans Washington, et qui a invité nous écouter. Dernière édition pour ce maintenant, dans rendez-vous, info, mes nouvelles. Fait que nous avons programme dominé l'actualité à Jeux Olympiques d'été Paris 2024 démarré en bas de la sécurité, malgré sa autorité considérée, un sabotage système transport train électrique. SNCF là. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rencontré possible candidat parti démocrate là Kamala Harris dans Washington DC avant de faire chita parler avec candidat parti républicain Donald Trump dans Mar-a-Lago dans l'État Floride. Et bien en Haïti, le gouvernement met sous pied une commission pour évaluer décret mars 2021 sous code à procédure pénale pays. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on a développé pour le journal, dans la dernière édition, jeudi, c'est vendredi, nous devons surtout passer un bon week-end. Nouvelle, d'abord, la pluie qui a tombé en ville Paris, en France, pas empêché que fanatiques aient assisté à cérémonie d'ouverture Jeux Olympiques Paris, d'été Paris 2024, yo. Mais tout, il y a tout, le système électrique train, et train, yo, tout, il y a un problème, tout. Je tiens au Christian pour plus de détails. Jodi a, c'est vendredi 26 juillet 2024. Li déjà assoué en France. Côté cérémonie ouverture Jeux Olympiques 2024 Paris fin déroulé. Malgré sabotage qui était fait dans système transport train bien bonnet jodi vendredi a. Et puis malgré la pluie qui tape taille banda sous ville là. Autorité yo t'es parlé sous problème nan et t'es dit qui mezi a prend pour joindre hôtesse Zaxa. Aujourd'hui, tous les éléments qu'on a montrent bien que c'est volontaire. La concomitance des heures, tout s'est fait aux mêmes heures. Des camionnettes retrouvées avec des personnes qui ont fui, notamment sur la partie sud-est. Des agents incendiaires qui ont été retrouvés sur place. Une enquête est en cours. Tout nous indique aujourd'hui que ce sont bien des incendies criminels, notamment la dimension de la concomitance des temps qui est plus que suspecte. Après yon coquin attaque, sous réseau TGV ya nan la nuit jeudi pour l'ouvrir jeudi vendredi ya, Société Nationale Route Train Français, SNCF, pral présenter yon nouveau plan trafic. C'est déclaration Premier ministre Gabriel Attal. PM nan mandé, tout moun pou faire attention pendant que enquête la commencé. L'enquête démarre, j'appelle chacun à la prudence. Ce que l'on sait, ce que l'on constate, c'est que cette opération a été préparée, coordonnées, que des points névralgiques ont été ciblés, ce qui montre une forme de connaissance du réseau pour savoir où frapper. Voyager yo sous gros tension parce que yo raté cérémonie ouverture Jeux Olympiques yo à cause des ordres qui fait dans transport train. Oh, nous vraiment pas content parce que nous raté cérémonie ouverture Olympique yo. Nervé parce que nous raté li. Parce que c'est un bagage nous t'es planifié et puis nous t'attend longtemps et puis c'est presque tant qu'ou un bagage ou ka vivre une fois dans la vie ou parce que ou pas aller là tout temps plus passer 300 000 spectateurs t'es resté tant arrêt bof fleuve la scène pour yo wel les athlètes yo a défilé dans mitan Paris arrêt bo yon ti flotte chaland ak bateau et ça c'est un parti dans yon coquin chaîne spectacle que plusieurs milliards moun pral gade. Environ 800 000 passagers ta si pose nan problème nan week-end nan parce que des gars yo en pile. Et puis ça mande en pile travail pour réparer des gars yo. Nan moment nap li a, train yo recommencé fonctionner malgré gen en pile travail qui rete pour faire toujours. Autorité française yo déployé 45 000 policiers, 10 000 soldats ak 2000 agents sécurité privés pour assurer sécurité pour cérémonie ouverture jouet yo. Haïti a participé dans Jeux Olympiques Paris 2024 là dans plusieurs disciplines. Tankou, judo, natation, boxe, mais c'est pour première fois Haïti a présent dans gymnastique et année ça, li parmi 10 pays qui gen pi bel habillement dans défilé ya. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Non, l'autre nouvelle qui
dans notre programme de l'actualité, on a retourné un site aux États-Unis pour nous parler de visite du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait dans Washington. Parce que aux États-Unis, côté de rencontré avec le candidat président du Parti démocrate là, vice-président Kamala Harris, candidat parti républicain Donald Trump, dans Mar-a-Lago, détail avec Sandra Lemaire. Donald Trump a accueilli le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, vice président des États-Unis, au pays qui est principal fournisseur d'armes, avec protecteur pays Israël. D'un autre côté, dans Washington, Netanyahu t'a fait chita tendre avec le président Joe Biden et vice-président Kamala Harris dans la Maison-Blanche jeudi. Dans le commentaire qu'il t'a fait devant les journalistes, Netanyahu t'a remercié Biden pour 50 années de service public et de support pour l'État hébreu. Biden a mis pression sur Israël pour signer une entente avec Hamas pour la guerre otage qui toujours dans les militants dans Gaza. Le plan est proposé à gain 3 phases. S'il réussit, c'est un gros accomplissement dans le palmarès démocrate là, qui gagne 81 ans et qui décide de la course présidentielle la vague et puis endorser vice-président Lee Harris. La Maison-Blanche dit qu'il a presque fini de négocier, mais il y a une question qui était pour résoudre. Vice-président Kamala Harris a rencontré Netanyahu séparément. Il fait connaître et encourager monsieur pour entendre sur le plan cessez-le-feu à Hamas plus vite possible. Let's get the deal done. So we il dit qu'on signe en temps là pour qu'il y ait un cessez-le-feu pour mettre fin dans la guerre. On mène un otage à la caillou et puis on va le peuple palestinien assistance qui est tellement besoin. Harris dit journaliste, il a gagné une conversation honnête et constructive avec Netanyahu jeudi. Côté lui affirmé droit Israël gagné pour le défendre tête lui, mais tout exprimé gros qu'a sauté lui gagné par rapport à paquet de monde qui mourit dans Gaza pendant 9 mois de conflit et puis situation humanitaire urgente qui existait l'autre bord. Tout j'ai braqué sous présumé candidat présidentiel parti démocrate là. Il réitéré en grand partie message président Joe Biden non, qui sait que le temps pour finir la guerre, mais lui offrit un temps plus exigeant et plus urgent dans message parlant. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et puis, avant nous parler de vice-président américain, qui a mené campagne, on a parlé de Kamala Harris qui a mené campagne pour nomination parti démocrate là, on a retourné dans la ville de Paris encore, côté ambassade d'Haïti dans la ville de Paris a été organisée, une petite fête, on a dit pour délégation haïtienne qui a participé dans les Jeux Olympiques Paris 2024, Franquin Guédems, depuis ville de Paris. Pendant que Paris sous Brezengli, travaux final Jeux Olympiques a terminé. Flamme Jeux Olympiques continue à traverser Paris. Dans moment ça a tout, délégation athlète haïtienne rivé sous Paris. Plusieurs associations haïtiennes dans Paris, ensemble avec nouveau chargé d'affaires haïtien qui c'est lui Novolsi, offrit une cérémonie d'accueil pour athlète haïtien qui va représenter Haïti dans Jeux Olympiques 2024. Oui, musique, tambour, roulé, plusieurs discours, c'est comme ça la communauté haïtienne de France là réagit pour que le capable dit bienvenue athlète haïtien. Deux soirées cérémonie d'accueil réalisées devant le ministre haïtien de la jeunesse et des sports et de l'éducation civique là. N'a parlé de Madame Octavius. Dans l'occasion ça, comité délégation haïtienne présenté athlète qui va représenter pays d'Haïti dans les Jeux Olympiques. Chargé d'affaires, Luno Volsi profiter honorer chaque grand athlète avec un prix d'honneur. Tableau d'honneur décerné à chaque athlète de la part des élus français d'origine haïtienne. Puis fort monde qui t'a fait déplacement, t'a exprimé contentement de accueil qui est ambassade là avec notre association qui réservée pour athlète. Madame la ministre des Sports, Sarah Devalis Niolaline Octavius, chargée d'affaires à tout,
qui c'est Luno Volsi et Atletio, tout le monde espérait un seul bagaille pour le pays d'Haïti. C'est décoller médaille et mener au moins une médaille d'or pour le pays d'Haïti dans les Jeux Olympiques 2024 à Paris. C'est important pour nous pour nous organiser l'événement, pour nous montrer Atletio, comment nous sommes fiers de eux, mais pour nous montrer tout, ils ne sont pas seuls. Dans le cadre des compétitions avec lesquelles ils participent, sur la compétition mondiale, il y a un athlète qui dit que déjà c'est quelque chose de merveilleux que un athlète qui veut participer dans les Jeux Olympiques. Son gros challenge, son gros défi que lié pour eux et que eux veulent surmonter. Donc, je pense effectivement, ou gain raison, leur poser une question ça. Athlète, yo, yo content et selon feedback que j'ai eu de l'événement que nous organisons aujourd'hui à l'ambassade là. Donc, ça représente pour nous quelque chose parce que Haïti, et activité à nous faire, c'est juste pour nous voir comment nous sommes capables d'accueillir athlète et puis mobiliser toute communauté. Livre dit effort que athlète yo fait. Livre dit couleur paysan qui a flotté au plus haut niveau. Parce que là, un jeu olympique vraiment réunit presque, je dirais, tous les pays du monde. Donc là, c'est une fierté pour nous autres Haïtiens, pour nous, couleurs et drapeaux nous à flotter par des jeunes athlètes, par des jeunes Haïtiens. Nous-mêmes, dans la VOA Créole, nous avons promené nous tout partout pour nous faire vivre grand événement ça et surtout évolution chaque grand athlète haïtien. Jedems Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, Créole. N'a pas retourné aux États-Unis, nous parlons de New York. Dans le moment que Nouvelle York fait sentir, semblait que vice-président américain Kamala Harris cap chercher nomination au Parti républicain, il est capable, il y a tendance à montrer qu'il est capable et jouer nomination pour le représenter Parti démocratique dans l'élection présidentielle novembre 2024. Question qu'a posé Kounia, c'est qui est-ce, mon Parti démocrate là, qui est capable vice-président et ticket ça? Nous parlons de Valérie Saint-Louis dans la ville de New York. So hear me when I say. Qui moun li pral choisi? Ça, c'est gros question politique qu'a posé dans moment ici aux États-Unis. Après que président Joe Biden t'ait lagué piel sous question réélection li. C'est vice-président Kamala Harris qui gagne en pile chance pour vin candidat officiel Parti démocrate là. Kamala Harris, pour le moment, a fait campagne pour compte li pour président. Parmi moun qui en considération pour vin entrer dans la course électorale avec lui comme candidat pour vice-président parti a, gen la donne yon paquet gouverneur. Roy Cooper, dans l'État Caroline du Nord, yon démocrate qui te gagné élection deux fois déjà, les majorités électeurs État, te choisi républicain Donald Trump pour président. Ak Josh Shapiro, dans l'État Pennsylvania, que tous deux partis yon considéré comme yon État important que yon doué gagner en novembre. Et puis, gen tout yon astronaute qui te vin tourner yon sénateur américain, Mark Kelly, dans l'État Arizona. Avec convention nationale Parti démocrate là qui planifié pour juste quelques semaines cap vin la yo, processus la pral gen pour le fait vite et pressé. William Galston de Brookings Institution. The danger of an accelerated process. Danger au processus accéléré, c'est que bagay yo pral gen négligence sa dan yo. Erreur qu'a fait yo, c'est erreur que yo processus pilant ta ka empêcher. Mais li pa gen aucun choix, li doit faire li vite et puis faire le bien. Pa gen aucun science pour faire droite et bien. Il s'agit de choisir yon moun ki ka attire plus vote. Et spécialement, nan ti point état sa yo ki ka balancer et pi gen en pile chance déterminer résultat élection yo. Qui donc ça veut dire que choix vice-président ta dwe concentrer sous zone stratégique géographie au lieu que li concentrer sous personnalité moun nan. Jay Chen, c'est yon délégué Parti démocrate là et yon activiste politique nan état Californie. I think someone. Moi, pensez, yon moun qui sorti dans Midwest là, ou soit même qui sorti dans Sidla, ta yon bon choix. Andy Beshear, c'est yon gouverneur dans l'État Kentucky. Moi, pensez que l'État fait yon bon choix. Nous voulons assurer nous que nous sommes capables de balancer ticket parce que nous gagnons yon moun qui sorti dans l'État Californie. Yon moun qui sorti dans l'État Californie, c'est Kamala Harris. Et puis, comme considération politique, yon exclu candidat présidentiel là à candidat pour vice-président qui yon tous les deux sorti dans même État. Ça exclut gouverneur Gavin Newsom, qui t'est espéré venir candidat présidentiel dans une prochaine élection. Et si t'as gagné deux femmes qui candidat sous ticket démocrate là? Gretchen Whitmer, c'est gouverneur État Michigan qui sont État important en pile. Mais il n'y pas paraître que l'intéressé n'a causé comme ça. I am not leaving Michigan. I'm proud to be the governor of Michigan. I've been consistent. Moi pas quitter Michigan. Moi fier pour me gouverneur Michigan. Moi connais wap fait travail. Moi pas pral aucun côté. Popularité yon moun comme yon gouverneur ou soit succès li nan congrès a pas garanti que le café yon gros impact comme compagnon yon candidat nan course électorale là. Selon ça que auteur écrivain de livre sous vice-présidence là, Joel Goldstein fait remarquer. Are they ready to
to shine on the national Est-ce que yo paré pour yo briller sous scène nationale là? Ça qui différent en pile de leur fait campagne dans un état ou soit dans un district. Deuxième citoyen qui n'a pas ce commandement, c'est de préférence yon moun que électeur yo confortable avec lui. Parce que li juste yon battement que pas trop loin présidence là. Pour VOA News, Steve Herman, correspondant pour la Maison Blanche, adaptation créole, Valerio Saint-Louis, pour VOA Créole, depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis. Eh bien, n'a pas été toujours aux États-Unis. Ben, agent d'or américain a arrêté deux leaders cartel de drogue Sinaloa au Mexique. Alors, ils viennent sur le territoire américain, ils ont été arrêtés et El Paso, dans l'État de Texas. Marius Pierre. Autorité américaine a été arrêtée dans Texas hier jeudi à Ismael El Mayo Zambada, un leader depuis longtemps dans le cartel Sinaloa, Mexique, là, à Joaquim Guzman Lopez, un petit garçon, un autre leader cartel notoire, d'après le département de la justice américain. Zambada, c'est un leader puissant cartel Sinaloa. Pendant plusieurs dizaines d'années, ensemble à Joaquim El Chapo Guzman, Zambada, c'est un trafiquant drogue qui est plus populaire dans le monde, là, parce que il était dirigé opération contrebande cartel, là, pendant y a kembe un profil qui bat. Yon autorité fédérale mexicaine te dit agence nouvelle à société de presse que Zambada à Guzman Lopez t'est arrivé aux États-Unis dans yon avion privé et puis yon te remet tête yon by autorité yon. Autorité a te parlé à condition pour non pas citer parce que li pas de gain autorisation pour discuter sous affaire si là. Gouvernement américain te offri yon récompense jusqu'à $15 million pour information qui menait dans arrestation Zambada qui t'est évité autorité yon pendant plusieurs dizaines d'années. Et puis, nous parlons au Venezuela, côté dimanche qui vient là, électeur pour agiter bulletin pour y élire un président. Donc, président sortant, Nicolas Maduro, qui va chercher un troisième mandat. Jacques Mélisier a dit nous, opposition en tête face devant président sortant. C'est un gros full moon à Crad Rouge pour Pifor qui accueille président Nicolas Maduro dans la capitale la Caracas avec un pile musique dans l'occasion du dernier meeting campagne présidentielle. Disciple de fin président Hugo Chavez, la président Nicolas Maduro fait dernière apparition publique Lisa avant élection présidentielle qui vient pour dérouler dimanche 28 juillet à Capvilla, côté libéral derrière un troisième mandat 6 ans. Maduro promet peuple là 50 ans la paix. El domingo se decide. Avec victoire El dimanche Capvilla, nous garantit la paix en Venezuela pour 50 années Capvilla. Et puis, bon côté opposition, peuple souverain descend en masse dans la rue et y a chanté bien fort. Si c'est puede, yes we can, oui nous capables. Dans tête foule là, à côté leader opposition Maria Corina Machado, gagné Edmundo González Urrutia, 74 ans, politicien très réservé, ancien ambassadeur, qui trouvait par accident candidat pour opposition politique unifiée. En parlant de Mesa de la Unidad Democrática, qui représentait une résistance devant Maduro. Il trouvait la tête sondage dans l'intention vote. Machado dit qu'il connaît le peuple vénézuélien très bien. Je sais ce qui est passé en Venezuela. Je sais ce qui est sentiendo la gente. Je sais comment va se faire. Moi, je connais ce qui est passé en Venezuela. Moi, je connais ce qui est senti. Et moi, je connais qui est en participation à pied dimanche qui vient là. C'est peut-être ça. Nous besoin c'est pour tout vote qui compte que yo imprimé procès verbal yo et que nous mêmes nous gain accès à procès verbal yo. La Maison Blanche voye yon pinga by Nicolas Maduro pour élection dimanche déroulé sans menace ni intimidation. John Kirby, porte-parole la Maison Blanche, dit pas gain aucune répression politique avec violence que y a pas accepté. Président chilien bon côté parle en parlant de Gabriel Boric. Li déclaré li soutenir déclaration Tokay brésilien li en parlant de Luis Inácio da Silva alias Lula qui précisait que pas de gain violence dans élection et li déclaré en parlant de Boric tant que Lula dit pas droit dans aucun cas menacé fait sans couler et li exiger élection transparente compétitive qui a déroulé en basé observateur international. Dimanche qui vient là, c'est 21 millions Vénézuéliens qui gagnent l'âge pour voter, qui prennent le bulletin dans l'élection présidentielle. Caracas a retiré l'invitation qui a été lancée pour autoriser présence experts Union européenne pour observer le vote là. Cependant, il autorisé quand même observateur l'ONU, Accent Carter, qui est basé aux États-Unis, pour être présent dans l'occasion élection présidentielle. Jacques Lebelizer, VOA Créole.
Et puis dans le pays d'Haïti, conseil provisoire, conseil présidentiel provisoire, transition, hein, eh bien, ils ont installé une commission 9 membres qui pour analyser et étudier code pénal avec code procédure pénale haïtien. Hein. Nous pourrons joindre pour question si là, Renan Toussaint, qui a une réaction, un ancien sénateur. C'est président conseil présidentiel transition et dans les Blancs-Fils, en présence quelques conseillers présidentiels avec premier ministre Gary Conille, qui était possédé avec investiture 9 membres commission ça, qui constituait avec ancien premier ministre Enex Jean-Charles comme président Winnie Magloire, Jean-Joseph Exumé, Pierre-Richard Casimir, Patrick Pierre-Louis, Kenel Senatus, Wando Saint-Villiers, Yudlin Cherizard, Akouben A. Joseph, chaque moun sa yo, ou se voit yon ampliation par rapport à nomination yo. Président CPT, hein, Edgar Leblanc-Fils, invite nouveau commissaire sa yo, qui gagne yon mandat 10 mois, commence travail rapide vite pour formuler, effacer ou bien contextualiser tout article controversé dans intention pour satisfaire tout secteur dans le pays d'Haïti pour que définitivement après 189 l'année, paysan capable de doter un code pénal avec un code procédure pénale qui prend en réalité infraction qui lié à modernisation. Ancien sénateur Jean-Renel Senatus, qui était président commission justice et sécurité publique dans le Sénat, gagne une réaction sous démarche. Ça. Moi, j'ai écrit pour me demander pour pas quitter un an rivé, pour monter en commission qui est capable de faire travail de correction qui doit gagner dans le code pénal. Là. Moi-même, dans la contribution citoyenne, moi, et vu expertise dans le domaine, ça, moi, voyais by CPT à tout, il y a un document qui est les préoccupations du sénateur Senatus relative au code, au nouveau code pénal. Donc là-dedans, nous pointé du droit les différents articles qui contestés par société noire et qui demandaient une autre approche. Maintenant, nous constatons que nous prenons acte du fait que CPT a monté en commission. Nous, dans la commission, ça a gagné plusieurs têtes qui étaient utiles pays, qui étaient utiles pays, si vous voulez utile. Nous voulons seulement être gardés pour nous qui travaille pour le fournir à la société. C'était dans le mois de mars 2020, sous la présidence Jovenel Moïse, un code pénal et un code procédure pénale était publié dans le journal officiel d'État Les Moniteurs, mais qui n'a pas jamais entré en vigueur à cause de trois failles. Société a été identifiée dans le document, ça qui a forcé l'autorité à faire bac. N'a pas rappelé, il y a déjà 3 commissions qui travaillent sur la question ça. Nouvelle commission ça fait 4. Renan Toussaint. Pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et puis, dans le pays d'Haïti, toujours responsable éducation, pas qu'à attendre à visiter le pays d'Haïti, côté de rencontre avec le ministre de l'Éducation nationale, là, Yves Manuel. Ministre de l'Éducation nationale, là, Antoine Augustin, avec directrice exécutive Education Kenway, Yasmine Chérif, visité pendant journée 1 centre compensation apprentissage qui logeait lycée national Pétionville. C'est une visite qui rend à plus passer 500 élèves secondaires 4 qui bénéficiaient cours saio ministère lancé depuis 8 juin qui saute passé là. Dans l'occasion, élèves classe terminale exprimaient gratitude envers ministère de l'éducation nationale sans compter partenaires qui soutenu programme ça et qui permettent à l'échelle nationale près de 80 000 apprenants yo rattrapé tant yo t'ai perdu à cause violence qui t'a fait dans quartier respectif yo. Ministre l'évasion nationale là qui t'ai prend la parole dans circonstance là attiré attention sur quantité jou ti moun yo perdu et il dit le regret et ça qui affecté depuis environ yon vingtaine d'années l'école haïtienne yo. Donc les élèves connaissent des moments difficiles. Donc organiser des cours de compensation était pour eux un peu d'oxygène. Parce que le directeur de l'enseignement secondaire l'a rappelé aussi, avoir le courage de rester en classe et de continuer à croire et à espérer, c'est vraiment porter un projet grandiose pour soi-même, sa communauté, sa famille et pour la nation. Bon côté PAL, Yasmine Chérif, directrice exécutive Education Kenatwit, un fonds mondial qui est dédié à l'éducation dans la situation urgente à crise prolongée.
reconnaître travail ministère qui selon ça dit aller dans sens amélioration système éducatif là. La connaissance que nous pouvons contribuer pour limiter la souffrance, pour donner la possibilité de l'argent pour continuer et pour le recovery, l'éducation, parce qu'en Haïti, on a une histoire. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Et puis, ministère communication avec culture, a organisé un soirée gala justement pour marquer 69e anniversaire création ou existence compas direct en Haïti. Nous parlons de Steven Aristide, lui-même qui était présent dans le moment ça. Dans l'idée pour fêter 69 l'année compas direct, le ministère culture et communication a tête collé avec Live pour monter organiser un soirée gala dans l'hôtel El Rancho. Plusieurs artistes et personnalités qui sont dans le secteur musical étaient présents. Pour chanter créole là, Tidjozeni, lui fait connaître, l'a continué de transmettre qu'il s'y compas. Peut-être que qu'on y a regardé l'autre pays qui a exploité et peut-être que qu'on y a gampil l'autre artiste étranger qui commençait à entrer dans le rythme qui commençait à chita dans le rythme et qui commençait à proposer des autres bagages avec rythme compa. Donc moi pense que dans cette nous font travail extraordinaire puis grand nous font travail extraordinaire. Nous disons merci, nous saluons pour tout ça qui a été fait de nous, Jean-Baptiste, à tout artisan qui mène le combat direct. Je dis à moi, bien content que je dis à moi, compter parmi tout les icônes. Et je me suis levé avec Negio, je me suis grandi, l'éducation musicale m'a été faite avec Negio. Et je pense que je dis à tout, je transmets ça que je apprends. Et même je comprends le combat et je file le combat à d'autres jeunes. Pendant la soirée, l'organisateur a été honoré plusieurs personnalités et institutions qui travaillent pour bailler comparable au RAD. Parmi eux, Mark Anderson Brega, qui est animateur radio-télévision Caraïbes, Septentrional, Tropicana, Akenson Belize, tout le monde connaît son nom Zagalo et Tidjozeni, pour ne citer ça seulement. Pour Jean-Marie Simon, qui est un homme qui a organisé l'activité, il fait connaître une jeune motivation pour organiser l'activité parce que le compas est important pour le peuple. Et parce que c'est identité nous comme musique. Motivation, c'est parce que nous pensons que le compas c'est important pour le peuple. Le compas c'est ça nous gagne. Nous identifions nous en général avec lui-même comme musique. Donc c'est vrai dans nos contextes délicats et difficiles, mais il est important que au moins nous voyons un signal, ne serait-ce qu'en prévision à ça, 70e dans carré, qui pourrait être symbolique, 70 ans quand même, c'est un chiffre fort, c'est 7 fois 10, mais en attendant nous arriver là, parce que nous devons voir un premier signal par rapport avec 69e dans. Et c'est difficile en Haïti, il y a un peu de jazz qui pas là, il y a un peu d'artistes qui pas là. Nous avons une vie nocturne qui carrément disparaît aujourd'hui là, ou bien qui au ralenti. Mais nous devons quand même, mais dans niveau par nous, réunir les principaux acteurs, les principaux opérateurs culturels. Ce n'est pas ouvert au grand public, sinon le public a regardé dans le live, RTVC, TNH. Mais au moins, opérateurs, managers, ingénieurs son, artistes, la presse, etc. Et nous devons l'ajouter pour au moins un gala 69e qui pour moi-même est apprêté dans l'histoire. Malgré cette situation de sécurité pays, en pile groupe qui a sorti affiche sur Haïti pour période estivale là, pour être capable de jouer dans quelques villes sur Haïti et parmi eux Port-au-Prince. Moi c'est Steven Aristide depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Steven Aristide. On a dit que non dernier note qui concerne et musique qui concerne musique compas et bien il y a un responsable ministère de la culture et communication et ministère des affaires étrangères bien mis ensemble et ils soumettent musique compas by l'UNESCO pour candidature musique compas by l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité. Voilà, je m'accable la tête de nous mettre émission ça dans l'air. Je dis à ce vendredi, c'est week-end mes amis, si nous conduisons, nous ne pouvons pas consommer alcool et si nous consommons alcool, nous ne pouvons pas conduire parce que nous besoin encore lundi, même côté à toujours. Jacques Bélizère, bon après-midi tout le monde qui est là avec nous. Merci en pile. On va lundi prochain. Parle faire massacre sur population civile, pas oublier que bandi comme intelligent, il a vivent dans un environnement côté yo familiarisé avec peuple qui vivent dans zone côté gang ça va fonctionner. Et c'est pas sans raison qu'il fait. Et je dis l'autre avantage que bandi yo créé, yo connaît gain yon institution ou bien qui relé organisation qui défendre droit moun yo. OK, haut commissaire dans Nations Unies sensible pour question droit ti moun ou bien à travers le monde ouais bandi utiliser une stratégie blesse personne c'est dans main ti moun qui ont metté zam qui devenir des soldats enfants
ça ou gon paquet ou pas traiter pour monter sur bagarre comme ça pour dire qu'on va résoudre problème insécurité a sous pas essayer donc poser balise ça yo pour chercher yon manière yon façon yon dimension pour attaquer pour éviter faire et dommages collatéraux dans mi temps population civile là et pour capable attaquer cible avec technique et la science ou a gagné des appareils sophistiqués côté ou capable détecter exactement porteur de métal moun ki a pote zamyo dans espace et ou a faire opération bien facile sous utiliser méthode ça mais malheureusement dans ça qu'a dessiné dans ça qu'a décrit en dedans pays en blessé personne il pas semblé a venir avec solution en pile dans nous sans doute après t'étendant parce que nous plus ouais son bagay qui a essayé donc te parler et vous parler sans pas garder potentialité problème insécurité a déjà pris envergure que problème insécurité a déjà pris parce que l'on a regardé barbecue qui t'a gagné Genève OK kounia livine grand patron majorité réseau criminel qui est dans pays là on vit ensemble là ça plus ou moins arrangé yo synchronisé yo discuté yo mette stratégie yo mette plan et yo agit avec technique stratégie et puis scientifique tout parce que on est yo utiliser méthode ça yo même que c'est routinier que yo blesse personne mais vin moi quel green policier qui était dans institution qui a des formations académiques OK qui connaît si yo pose pion ça mais qui résultat qui a bail on essaie regarder si yo fouiller un trou dans espace ça mais combien de temps officier ou bien policier qui prend dans espace ça bien pour yo prendre et pendant y a prend temps mais qui action qui a bien temps posé ou après bandi yo dans mouvement blesse personne y a utilisé une stratégie de couper route fouiller trou pour empêcher la police et l'autre groupe peut-être yo k'ap gen comme ennemi tout rivé sou yo koun ya blessé personne qui espoir que nous k'ap gen sou yon équipe dirigeant corrompu qui pas jamais entendre pour yo respecter ça ou té écrit dans accord politique yo avec ensemble dirigeant corrompu ça yo est-ce que nous pensons vraiment que n'ap ka arriver combattre gang qui en dedans pays ya et nous doit tout temps songer gang yo c'est petite corruption et jodi ou tande trois conseillers présidentiels trois conseillers présidentiels ou pas ta jambe imaginer qui t'a plongé dans ça OK parce que l'on a regardé portrait nèg yo l'on a regardé capacité que nèg yo gen l'on a regardé on est qui représenter petite Dessalines dans conseil présidentiel transition ou t'a poser cette question est-ce que il t'a pas plongé dans ça qui gen pour avec corruption parce que Moïse Jean-Charles dans niveau parle c'est nèg qui contre la corruption et kounya tout qui ça permet et Moïse Jean-Charles et Claude Joseph, yo toujours pratiquement dans toute rencontre qui a fait pour décider pour pays ya. Qui ça yo yé? Est-ce que yo c'est yon conseiller présidentiel et en réserve par rapport avec l'autre monde qui est délégué qui pourra négocier pour pays ya? Jusqu'à présent les personnes, c'est sa cause que ensemble acteur yo pas jamais présenté accord et politique qui ont été signé 3 avril 2024 an, parce que nèg yo a vu je vais coquin à jouet mesdames et ça bail bandi yo assurance pas gain rien qui ca privé vrai qui ça expliquer pendant officier kenyan ou venir dedans pays yo commencé sans doute à épuiser dans budget qui t'ai gagné qui évalué avec 600 millions de dollars pour question mission en dedans pays 400 officiers kenyan gain t'a manger bien dormi OK pendant policier nou yo même qui gon paquet de frustration cap dormi sous pinaise cap dormi sous lavette cap mal manger et officier kenyan a bien passé jeudi hein. Ça a porté des frustrations dans ensemble d'opérations qui pral gagner dans zone anti gang yo parce que yo connaît bon groupe moun qui gon l'argent qui a touché pour vinn bay sécurité en dedans pays qui ça expliquer commissariat d'entier rivé craser un bon parti là-dedans selon image qui rivé joine aussi image ça authentique et blessé personne nous t'a dit c'est malheureux sous recommandement monsieur Normil Rameau l'a vini comme directeur général police nationale d'Haïti hein. On l'autre fois encore en pile monde te pensait quelqu'un yon baguette magique dans même pour le venir résoudre problème insécurité ya. Mais premier ministre Gary Conille montre que bagla pas aussi facile passer ça c'est parce que Mounio a souffert longtemps ça vient permettre que Mounio a gain patience pour attendre quel que soit capable décider faire pour lui Mounio non attentif même s'il attend il y a pas attendre il y a pas attendre nos bagaille ah oui Mounio passe pas quelque temps et Mounio continue à courir quitter la caillou yo pral dormir en bagalerie yo pral dormir dans l'école
et qui pratiquement trompe le soleil qui pas qu'à tromper la pluie. Depuis la pluie tombée, moun yo ap nage dans l'eau et vin songer. Yo pral terminer dans le cadre du ministère tout, le ministère communication sous bois verna. Y a terminé ensemble des espaces. Depuis l'état oui, moun yo prend comme bail mais pas faute parce que l'état inexistant. L'État n'a pas de responsabilité, c'est normal pour que les gens les bandits mettent au dehors. Il y a l'État, parce que pas oublier, tout bio l'État, c'est le cas peuple dans lié. Tout ministère, tout bio l'État, c'est le cas peuple dans lié. Parce que c'est l'argent peuple qui baille, qui fait ça. Yo. Et c'est l'argent peuple qui a payé les gens qui travaillent là-dedans. Et c'est l'argent peuple qui a fait ça à faire dans yo. Donc tout bio l'État, c'est l'argent peuple dans lié. C'est le cas peuple dans lié. Donc si je dis à la bandit, mettez les gens dehors et les gens entrent dans bio l'État pour être réfugiés, ils n'ont pas mal fait parce que c'est l'État qui a empêché de parler là. Bon, c'est l'État qui a pour empêcher pour bandits suspend pour les yo. Bon, l'État a quitté bandits pour toute zone. Eh bien, nous allons aller dans l'espace d'État. Je dis, on essaie donc de regarder comme Premier ministre a parlé de ça tout. Et ensemble, les gens qui sont abri côté ou les abris provisoires, côté ou mettez Mounio, et qui pratiquement pral devenir des abris permanents, pour ce que par contre, qui est le problème de sécurité, ça la prison. Exact. La situation. Ou bien pas, mon frère. En pile, très bien. En pile, jeune fille a violé dans l'espace ça, yo. Et en pile, jeune petit garçon tout, qui pas qu'on a dans gang, pas dans l'abri provisoire, qui vient abri permanent, yo pral entrer dans gang, yo tout. Et vient moins. Problème sanitaire qui vient en dedans l'espace, li pral cause des maladies épidémiques qui pratiquement est entré en dedans pays. Malheureusement que autorité qui dans plus haut niveau pas analysé niveau danger situation ça qui est là, il a joué à clé. Qui est qui a mette pied à terre? Même premier ministre pas connaît qui est monsieur Damio a pourtant pourtant ensemble opération qui t'a dû faire pour libérer pays. Et pas oublier des experts en sécurité ou pas qu'à ignorer capacité on est tout colonel Himmler Rebi malgré tout ça qu'a bien comme défaut malgré tout problème qu'a bien avec lui ou pas qu'à ignorer tout capacité de Guy Philippe tout comme on est qui passait qui dépassait dans l'armée et qui était un chef police qui était tout ça ou pas qu'à ignorer capacité ça. Ah, très bien. En dépit de tout ou doit arriver comprendre que monsieur on ensemble des capacités là au parler là analyser ça qui est là dans le pays hein ouais yo poser point par point et situation qui gagne et ensemble ça qui doit faire qui cap permettre que population qui pratiquement abandonné dans cour quitter la caillou à des personnes pour y retourner la caillou. Mais c'est difficile parce que ouais pas vraiment bien volonté à tout bon vrai et pays que vous pensez qui ses amis et qui à travers communauté internationale là mais si groupe l'Occident y a pas pratiquement en vrai question sécurité en dedans pays. À part de ça des personnes y a tap guettant poser les conditions et porter les moyens. En plus fois nous montrer ces problèmes matériels mais les problèmes matériels vrai ils ont problème de volonté. Yo pas dit que la police pas de gagner blindé, majorité blindé qui ont gagné soit gagné là qui tombé en panne qui rivé détruit. Oui, nous connaît qui rivé détruit, mais bon paquet qui vient là. Problème la police en problème de blindé. Li son problème politique. OK? Le commandement la police, hein? Li sous titelle des politiciens qui pratiquement entendent pour faire commerce avec insécurité. Commissariat qui dans région Balatibonite sous national numéro 1. Ça fait sous 4 attaques qu'il presque ils sont seule semaine. Bandi gang fait. Et on leur ou attendait blessé personne policier Idmo qui sur route nationale numéro 1 pas qu'a fait face avec bandi encore pas qu'a fait résistance encore il a livré ce pas ça ça gal enregistré parmi ensemble des commissariats que bandi a crasé en dedans pays blessé personne. Déjà la question ça me regarder ça parce que on va ça les mounio quand même parce que moi là gueule gueule blé mounio dernier temps ça oui et quelque chose là moi pas ça les mounio. Et mais avant de faire une salutation après ça pour aller dans la Réunion, bon, ben, ça comme information, j'aime des îles d'ailleurs, avec question et scandale corruption côté non, des trois conseils présidentiels non cités. C'est conseil présidentiel Louis-Gérald Gilles et Smith Augustin de Aidé, Louis-Gérald Gilles de Accord 21 décembre, Emmanuel Ventilier de Petit Dessalines, eh bien. Gagné équipe partisan monsieur Sao qui a même réagi d'abord m'a dit que Gabi au communication conseil président et Smith Augustin qui réagit il dit c'est avec un peu d'indignation et que mais ensemble de questions allégations ça cap dit de scandale de corruption que il a dit de conseiller Smith Augustin. Selon sa biocommunication, conseil président Smith Augustin a dit, le fait qu'on est que M. Smith Augustin, c'est un homme intègre et li vraiment, par ça y a dit là, c'est de accusation politique motivée, ça veut dire qu'il y a un bras de banan. Conseil président, li exhorté pour la soirée pour le concentrer sur ensemble GFOR, conseil président de cette transition à faire pour renforcer la démocratie, hein, combattre et insécurité. Qui est-ce que tu as combattre la même? Qu'est-ce que tu as combattu la même? Qui est qui démocratie a parlé la même? Jusqu'à présent, on va en biblier à quoi 3 avril. Mais là, on croit que monsieur,
Mais si n'a pas si n'était sous la démocratie, mais pour qui ça? Qui ça qui explique que j'aime biblier? Nous pas j'aime biblier ça et à 4 avril là. Qui au moins t'a qu'a dit mais ça, mais qui ça exactement qui ban nous et légitimité dans cette affaire là? Nous tellement connait que bagarre croquer mettre d'amende. Nous pas j'aime biblier, n'a pas de démocratie, nous légitime et de facto nous y là oui. Quelque soit tes connu, quelque soit tes conseil, nous de facto. Oui, et bataille contre question insécurité. Moi mais il y a 3 mois là, il pas me caler sans parler national. Il y a 3 mois oui. Palais national qui se siège côté que président siège oui côté bureau président siège oui les on va jamais en bas c'est un dit agent USGPN agent Katim et puis on dit employé palais national c'est eux même qu'à en bas les on va jamais en bas il était villa d'accueil miso et vous entendez oh il y a bataille contre sécurité qui va bataille contre sécurité avant de le faire et oui. Et question combattre insécurité, réforme constitution et promouvoir la justice sociale. Menti. Malgré tentative et diffamation, et conseiller Smith Augustin a été déterminé pour le rapport possible avec travail pour bien les préparer ça, pour bien être proche nous, parce que c'est proche nous. Et proche nous défendre, monsieur. Bonne coquille, bonne mesdames. Et désir, si je vais rapidement avec Bas 47, ou quoi, Bas 47, soudainement, et Bas Petit Dessaline, Bas Maurice Jean-Charles. Mm-hmm. Et là, dit Emmanuel Vettilet, ou dit Bas 47. Mais rapidement, il y a une équipe Bas 47 qui mettait un texte dehors. Je vais regarder rapidement si je suis capable de partager avec les amis. Quand il dit, il y a même Bas 47, il y a peut-être tout si pour eux, il y a un représentant Petit Dessaline dans le KPT1, qui est conseiller président Emmanuel Vettilet. Dans un moment difficile, ça, qui moment difficile? Et c'est au. Côté secteur mafieux qui contrôle les banques à gang politique qui gagne l'argent l'état dans main yo a metté ensemble pour craser KPT hein. N'a dit yo fois ça c'est bien compté mal calculé. Information publique peuple en grandit, li comprendre courant malgré toute tentative qu'a faite pour affaiblir Petit Dessaline, n'a fait diffamation, n'a accroché, y a parlé, y a cité, m'a cité yo. Y a été accroché à idéal Dessalinien hein, qui boutait toute revendication masse défavorisée. Hein. Y a continué pour dire été accroché à mission Moïse Jean-Charles, t'es confié l'un qui s'est veillé tout coup dans dos qu'a préparé pour peuple là. Maître Vettilet ou hérité de un pile sacrifice, tant coup jeune qui mouri, qui marron, qui prend prison pour bataille papa et nation. Et ennemi yo en pile, yo sous toute forme, veillé prudent, ça s'écharge la toquette là derrière. Bataille électorale a lancé secteur mafia pral plus violent contre Petit Dessaline. En tout cas, ce bataille politique commence là, bataille élection commence là. Deuxième salle de nos frères. Très bien, blessé façon de nous retirer chapeau pour nous saluer au monde tant pour Marie Jasmin, Marie Nosifor, Marisa Nazavier, Fondation Christ Capable qui est toujours avec nous, Roselaine Metellus qui pas jamais pas là. Nous saluer tout Immaculée Lafleur, Immaculée Vel et Vernois qui toujours branché, nous dit merci en pile, Alfares Dossou, merci en pile, Jean-Robert Lato, merci en pile, Louis-Fen et Versane, merci lui et Louis-Fen Versane, ça fait nous content les nouvelles que ou rivé jeune famille, mais ça nouvelle blessé faut pas une nouvelle votre calbasse pour assez nouvelle haïtien. Nous saluer Carole Charles, nous dit merci pour écouter Elino TV. Merci en pile parce que vous voyagez avec nous, Odin Souilda. Merci parce que vous avec nous, Marie-France Elmonis, qui est toujours avec nous, nous dit merci en pile pour écouter avec fidélité et commentaire qu'elle toujours quitté dans l'émission. Nous saluons Janine Petitom, nous dit merci en pile parce qu'elle est toujours là. Nous saluons Will Nanchal, qui est toujours branché, nous dit merci pour écouter combien important dans mes sacs nouvelles. Bon, nous saluons également et Walpole, Jean-Philippe, nous dit merci en pile pour écouter et à travers mes sacs nouvelles. Nous contemplons les nouveaux mouns du voyage avec nous. Nous saluons Yveline qui joue en scène. Nous saluons et tant pour dédier l'immaculée à Verneuil. Nous saluons Mimoso Jean-Charles, merci pour écouter combien important pour faire mes sacs nouvelles. Nous saluons Lalane Saint-Aubin, merci en pile pour écouter. Ça fait un grand plaisir. L'enfer pour Dieu qui nous est ou pas jamais abandonné ou toujours fait la route à nous. Nous saluons et Begens, bonhomme qui pratiquement rejoint famille. Nous dit Begens, merci en pile pour écouter li à fidélité. Nous saluons Radada Olga, merci parce que ou toujours avec nous, nous comptons pile. Nous saluons Geston Désir qui fait nous qui félicite le travail nous et nous et saluer et en retour nous disons merci parce que vous toujours branché, ça fait un grand plaisir. Nous saluons Yvon et Jérôme, merci Yvon Jérôme, ça fait un grand plaisir, nous content hein, parce que vous toujours là avec nous, merci parce que vous quittez commentaire et dans le cadre émission que nous avons gagné et pour premier le matin qui c'est Calfou Vérité côté nous avons parlé vérité sur ça qui a passé en dedans pays hein, malgré situation paraît très difficile, mais nous pas jamais abandonner, vous avez toujours été bon côté pour permettre que vous bien informé sur ça qui a passé
en dedans pays on a pas poursuivre avec les amis yo nous saluons Mona Saint-Fleur qui toujours avec nous nous dit merci en pile pour écoute lui avec fidélité avec famille et mais ça nouvelle là nous saluer Poléus Derizier merci Poléus Derizier ça fait nous grand plaisir parce que nous ouais que toujours avec nos frères Charles c'est mon pas nous qui passons pas brancher ça fait nous grand plaisir nous saluons aux amis nous saluer Laurette Basile qui toujours branché qui était commentaire dans quatre émissions et qui était gagné hier nous saluer et France Hilaire qui toujours branché les personnes qui et qui était commentaire qui félicité travail nous nous saluer Nadège Saül qui toujours branché nous dit merci en pile Nadège Saül ça fait nous grand plaisir nous saluer Jolie Minou qui toujours avec nous nous dit merci en pile ça fait nous grand plaisir les noix qui toujours avec nous nous saluer c'est Dasema merci c'est Dasema ça fait nous grand plaisir gros big up pour ça fait nous grand plaisir qu'on est toujours avec nous Xavier Marisiana merci Xavier Marisiana et c'est mon panou mettre show qui pas jamais pas avec nous qui toujours qui était commentaire dans cas d'émissionner nous saluer Marie Claude et Germeville qui toujours branché nous merci en pile Marie Claude ça fait nous grand plaisir qu'on est toujours voyager avec nous saluer Joseph Henri qui toujours avec nous nous dit merci en pile et nous big up également toute l'autre ami tant que Pierre et 952 qui toujours avec nous nous saluer Marie Claudette Georges qui toujours branché qui était commentaire dans quatre émissions qui nous était gagné et qui était passé déjà nous saluer Francilus et Simé qui toujours branché les situations mon sens mon pardon qui va jamais pas avec nous merci en pile pour écouter nous avec fidélité nous David Sager qui dit qu'elle pas jamais raté une dans émission yo merci Damilio ça fait un grand plaisir vive Paul merci en pile pour écouter nous avec fidélité monsieur toujours été conséquent avec famille Mesak Nouvelle là et inviter l'autre ami ou venir joindre famille Mesak Nouvelle là dans ça qui vient pour avec information qui n'a partagé dans Mesak Nouvelle Blaise Info Point Nouvelle Vente Calbasse Info Racine Nouvelle Haïti nous pas envoyer monter c'est décortiquer et analyser qu'elle vient analyser ensemble ça en pile l'autre monde a dit qu'il y a mal dit on vient porter au pic les pour dans Mesak Nouvelle Blaise Situation Désir Venès on commence avec alors on déjà commencé déjà mais on regarder ça question qui vient pour avec je t'ai dit tout à l'heure ou tu me croyais que tu bail point ça. Dans la date qui va le 30 juillet, je m'a dit qu'il venir à s'en tromper. Et bien, il y a unité lutte contre corruption, contre la corruption, ULCC, qui officiellement activé le protocole pour enquêter sur un scandale 100 millions de gouttes. Trois conseillers présidentiels yo mandé avec le président conseil, là, qui c'est M. Raoul Pierre-Louis. Et pour qu'on ait que, après gros révélation, que avocat président conseil BNC n'a pas eu de mettre Sonnet Saint-Louis qui t'est fait sous non émission avec confrère nous dit ça non côté que mais là t'es clairement dit mais trois conseillers ça yo qui c'est Louis Gérald Gilles qui c'est représentant à quoi 21 décembre en dedans et conseil président cette transition hein. Emmanuel Vertiller, qui c'est représentant Petit Dessalines de Jean-Charles Moïse, dans le conseil présidentiel, non? Et conseiller Smith Augustin, qui c'est représentant Red Aidé et Compromis Historique en dedans conseil présidentiel de transition. ULCC, à travers directeur général, Hans Jacques Ludwig Joseph, jeune garçon très compétent. Mais ça fait mal parce que je dis, hein, les gens politisent l'institution, au lieu que yo rend institution, nous, que yo c'est de institution qui forte, et pour yo remplir mission, yo, pour yo remplir attribution, yo, comme de institution qu'il a. Dans des domaines spécifiques. Ouais, je dis, hein, si que j'ai un pile en termes de travail que ULCC a mené en termes d'enquête et l'elle a acheminé auprès de la justice, j'ai des résultats que tu bailles, nous sommes capables de dire que après audition, président conseil administratif BNC, si toutefois vous révélez que trois conseillers ça yo vraiment yo t'a entré dans deux comme si marchandage pour poste li clair désir trois conseillers ça doit révoquer si bagay menti si bagay menti et si bagay abus si bagay de comme dit diffamation si bagay accusation fausse qu'a fait sur moun ça yo
Mais comme nous connaît Haïti, et ça fait mal l'aime dire Haïti pays non. Comme si pour moi que après 220 l'année, comme si que comme si m'a dit oh Haïti mon cher, m'a été quoi ici, m'a été quoi ça. Pendant ces temps 220 l'année, je dis hein, nous t'a dû à parler de une justice qui forte. De on la police qui fort. Mais malheureusement je dis hein, puisque nous connaissons monde qui t'est passé avant pas jamais mais pour faire ça les états de droit pour faire réforme en dedans système judiciaire et pour rendre la justice indépendante pour mettre des commissaires compétents pour mettre des juges compétents et pas des monde qui corrompu je que président Jovenel Moïse te dit il fait le nommer une quantité juge corrompu et moi jusqu'à présent juste en dedans système dans toujours mais ou d'après ULCC, qui c'est un organe dans la question de la corruption qui doit travailler à l'indépendance et l'autonomie. Ou d'après une UCREF et la Cour des comptes, ok? C'est des organes de contrôle de l'État qui vous permettent de. Imaginez un désir. Si ULCC, UCREF, la Cour des comptes, négociez institution ça forte indépendante. Pas d'a besoin de mettre organe de contrôle ou n'est-ce pas, là, non? Non. Non, mon cher, au cadre organe de contrôle action gouvernementale, nous pas d'a besoin de mettre elle. Parce que c'est un petit parlement au cadre de la vie. Exactement. Gagne pour contrôler action si là où qui, à travers l'administration publique, dans ça qu'il y a avec dépenses qui a fait dans le pays. Alors que ULCC, UCREF, la Cour des comptes, t'as gagné enquête, t'as mené, et puis pourquoi pas mener audit dans l'état ça yo et action a passé et puis vous regardez que ça passé mais qu'on a obligé pas mettre mandé mettre au cadre Ariel roule pendant 32 mois il va jamais mettre au cadre et jusqu'à présent même messieurs dames qui là autour même dans conseil là il pas gagne l'idée mettre au cadre d'accampé pas gagne de ça ça fait me dit moi douter en pile que parler de questions audition que ULCC pral mener a fait avec président conseil administratif BNC hein, le 30 juillet sur question scandale de corruption avec trois conseils présidentiels parce que m'pa attendre vraiment pral combler parce que m'pa attendre qui pral combler mais ça m'a dit l'il est temps que question nèg depuis entre que dans l'état c'est voleur vinn voleur c'est pillot vinn piller c'est riche vinn riche voyez madame petite yo arrêté à l'étranger, payer gros caille pour à l'étranger. Voyez petit à l'étudier dans gros université à l'étranger. Et puis petit mal est qui en Haïti eux même. Il y a ben dans la classe, il y a pas cal dans lycée, il y a pas cal dans école nationale, il y a pas cal dans collège, il y a pas cal dans chez les frères et chez les sœurs. OK? Il y a pas cal aller dans UEH là, il y a pas cal aller dans des facultés privées. C'est nèg fin craser ça yo. Au lieu yo permettre yo encourager jeune nan pour tes métiers ba yo, pour tes ba yo, yo pour faire pour tes zam ba yo, rete des bail cadeau c'est avenir yo. Joseph quoi que les plus que important pour nous goumen, pour nous l'état qui fort. Nous pas besoin voler, nous pas besoin corrompu. C'est vrai, ouais ba conseil ça avec gouvernement ça. Rete tande pour nous ça qu'a passé. Au dernier gap comme ça, et parce qu'il y a l'élection, c'est des batailles électorales qui commencent à se faire. Là, d'autres, les gars volent. Mais c'est la même volée dans l'État. Pendant ce temps, je regarde des misères de monde, souffrance de monde, qui n'ont qu'à déplacer, bandits, mettre au dehors. Je regarde des messieurs. Si je fais ma question, je vais dire que je suis un joker en elle. Je regarde des mesdames, je vais être chargé. Si je suis un gars sur quoi, oui. Parce qu'il y a bien un vieux de l'eau, mais là, nous fait infection. Si vieux fait infection, mon cher, puis nous avons volé dans l'État. Laissez-nous avancer. Bonne situation. Nous voulons clair et direct avec nous qui avons gardé et tendu là. Nous devons tout le temps comprendre une équipe dirigeante qui forme tête, qui bat tête sur corruption. Yo pa jamais rivé combattre gang en dedans pays. Pas oublier création gang yo li vini pour plusieurs raisons. OK? Et la gang qui a fonctionné, li garantit impunité et injustice. Et c'est ça qui a continué fait en dedans pays. Chaque groupe nèg qui vini qui prend pouvoir,
yo d'accord avec impunité, injustice, que gang yo même, cap sumetere tout partout, tout côté au passé, on est dans le pays, ça vient faire question réduction de compte là, ou pas qu'à parler de ça. Question rapport, ou pas qu'à parler de ça. Et bien c'est sa cause, lui Gérald Gilles, qui se représentant accord 21 décembre, dans le conseil présidentiel de transition, qui fait participer dans ça qui est pour avec un scandale, corruption, demandé et président conseil administratif dans BNC, l'argent qui a pris. C'est ça tout qui râlait. On est en Emmanuel Vertilaire qui représentait parti Petite Dessaline et la en gauche. Parce que bon, c'est ça, c'est pour ça qu'il te présentait tête. Et si vous regardez, vous avez sont là-haut, droite et gauche, il n'y a pas de position, il y a tout bagaille. Ok? Smith Augustin qui représentait Red. Aider à compromis historique, qu'on y a en regardé Figi Mounzaïo, en regardé Claude Joseph, qui c'est leader numéro un pour parti politique qui relève l'EDA, qui j'en fait pour le tableau au monde dans le conseil présidentiel transition pour le patate baigner dans la corruption. Oubliez quand c'était bataille que Claude Joseph entend pour le fait dans l'idée pour le gagner ministère affaires étrangères, parce que les gagnants ont spécimen dans ça. Li connaît tout côté le cap fourré mel pour le faire l'argent. OK? Malheureusement, communauté internationale là avec